Noboru Yasumoto. Yasumoto? I know him. I'll take him. I'm Genzo Sugawa. I've been waiting for you. If you're here, I can leave. You'll be taking my place. The father said, come and observe. You were with Nagasaki for how long? Just over 3 years. It's terrible here. You have to stay and see for yourself. The patients are also people full of pleasant lies. They even smell bad. We don't get much money, and we're prepared after us night and day. Right. Head doctor. His beard is sort of reddish. Le côté sud, ensoleillé, il est réservé aux patients. Nous, c'est le côté nord, bien sûr, froid et humide. Nous, on mange ici. Interdit de manger dans sa chambre. Il y a encore la loi Barbarousse. Interdit aussi de se chauffer. Sauf qu'il est patient. C'est le bureau de Barbarousse. Allô, docteur Yasumoto. Mon père is difficult to pronounce. Nide Kyoto. You'll start as an intern from today. But Father said to come and observe. You'll stay here. Bring me all the notes and drawings you made in Nagasaki. They're at home. No. The things will be here soon. That's all. Show this one. S'il vous plaît. Tenez-moi en aide. Vous savez, je suis pas folle. Vous voulez bien m'écouter? Vous êtes nouveau ici, n'est-ce pas? Osugi m'a parlé de vous. Je n'aime pas les autres médecins avec leurs habits gris. Ils ne m'écoutent jamais. Mais vous, vous m'écouterez, n'est-ce pas? C'est vrai. J'ai tué des domestiques chez moi. J'avais une raison de le faire. Le violeur, il s'est allongé près de moi. Il m'a pris comme ça. Il grognait de plaisir. Alors moi, j'ai fait comme ça. J'allais pas le laisser me tuer. Je lui ai planté cette épingle. Juste là. Tout de suite. C'est un ordre. Le patron t'appelle. Tu refuses? Mets ta tenue. Tu pourrais attacher ton kimono. Ausculte-le. La médecine est pitoyable. Un médecin peut analyser les symptômes. Et il peut aider les patients les plus robustes, mais c'est tout. Ce que nous pouvons faire. C'est lutter contre la misère et l'ignorance. Pour pallier les manques de la médecine, on dit que c'est le travail des politiques. On dit que c'est le travail des politiques, mais pas celui des médecins. Mais la politique, que fait-elle contre ces deux fléaux? Tu connais nos lois contre la misère et l'ignorance? Mais l'État ne finance-t-il pas ce dispensaire? Ah oui, c'est un progrès. Mais le problème réside bien en amont. Sans la misère et l'ignorance, il y aurait moins de maladies. Tu vois, derrière la maladie, il y a les tragédies humaines. Do something about the girl instead. She's 12 and she won't entertain. Be still. Keep your mouth shut. C'est pas tes oreilles. Dégage. Tu vas te décider à la fin. Otoyo, dis pardon. Dépêche-toi. Sale gosse. Une vraie tête de mule. Ne me regarde pas comme ça. Tire. Arrêtez ça. Comment? Monsieur le docteur, ce n'est rien. Voyez plutôt. Regardez-moi ce kimono. Quel gâchis. J'ai voulu habiller la gamine avec et elle l'a déchiré. Pourquoi ce kimono a un enfant si jeune? Écoutez-moi. Otoyo, elle me doit beaucoup. Quand sa mère a crevé devant chez moi, j'ai bien voulu l'adopter. J'ai dit la vraiment de son mère. La deuxième. Je vais voir ton frère. Viens avec nous. Intolérable. Pourquoi un enfant si jeune doit-il souffrir autant? Elle a été détruite physiquement, mais aussi mentalement. Sa vie est en lambeaux. Monsieur Moto, je te la confie. Tu en es responsable. Soigne-la bien. Oui. Allez, dors tranquillement. Ici, personne ne te fera de mal.